I will now give the floor to the representative of Cameroon. Ambassador, you have the floor. Ambassadeur Charit, Madame la Présidente, je vous remercie de me donner la parole à mon tour. D'entrée de jeu, je voudrais vous dire que la présente réunion sous formule ARIA ne rencontre pas l'adhésion du Cameroun. Est-il encore besoin de rappeler que la même objection a déjà été fortement exprimée par de nombreux pays du Conseil, en particulier les pays africains, en raison de son caractère équivoque, susceptible d'être malicieusement exploité par des esprits malveillants, confondant à l'envie et pour leur cause cette formule avec les réunions officielles du Conseil. J'illustre, ambassadeur Chinit, lorsque vous et moi nous nous sommes longuement vus et que je vous ai exprimé cette exploitation malveillante, peut-être vous ne m'avez pas cru. Depuis le début de cet après-midi, dans les réseaux sociaux, il est dit que le Conseil de sécurité a siégé, a adopté une résolution et que les voix se sont établies comme suite. Pour le Cameroun, France, Côte d'Ivoire, Belgique, Guinée équatoriale, neutre, Chine, contre le Cameroun, États-Unis d'Amérique, Royaume-Uni, Russie, Allemagne, Indonésie, Pérou, Koweït, Pologne, Afrique du Sud, République dominicaine, et que ce faisant, le Cameroun a été battu. Voilà, ambassadeur Chérit, les confusions pour lesquelles je vous avais fait l'amitié de vous dire toute ma précaution. Maintenant, voilà ce qui se dit dans les réseaux sociaux, que le Conseil a siégé. En outre, le sujet même sous examen, à savoir la situation humanitaire au Cameroun, a-t-on suffisamment répété, ne constitue en rien une menace à la paix et à la sécurité internationale. Et je remercie encore les membres du Conseil qui l'ont répété tout à l'heure. Un tel sujet aurait été plus indiqué dans le segment humanitaire du Conseil économique et social ou dans les débats sur les questions humanitaires à la troisième commission de l'Assemblée générale, voire lors d'une manifestation parallèle de haut niveau au cours de l'Assemblée générale. C'était le cadre idoine. D'aucuns ont avancé l'argument de prévention. Quelle prévention alors pourrait-on s'écrier? Et quelle serait la ligne de démarcation entre prévention et volonté d'intervention sous des prétextes humanitaires qui hantent certains esprits? Sans doute, certains sont venus à cette rencontre avec l'encre appropriée pour peindre le Cameroun tout en noir, pays d'enfer et de maux indicibles. Et ils ont en cela amené les médias, les ONG et les marcheurs patentés de la 47e rue pour spontanément amplifier leur vue dans les médias et les réseaux sociaux. Certains d'entre ces déstabilisateurs ont d'ailleurs tout récemment publié un communiqué affirmant que tout participant à notre prochaine fête nationale du 20 mai sera placé sur leur liste noire et traité comme ennemi, et que l'insurrection est le seul moyen actuel pour renverser les institutions du Cameroun et ceux qui les incarnent. C'est écrit noir sur blanc. D'autres
peut-être aussi, sont venus à cette réunion munis de siphons pour siphonner toute l'eau de la bouteille et présenter le Cameroun comme une bouteille toujours vide, au plus à moitié vide. D'autres, que sais-je encore, sont venus verser d'abondantes larmes sur la situation humanitaire. Il y a eu de vraies larmes. Nous les avons vues et entendues. Mais en réalité, il y a eu d'autres larmes, feintes, à peine voilées sur une situation dont ces gens n'ignorent pas s'ils ne provoquent d'ailleurs pas les tenants et les aboutissants. D'autres, enfin, sont venus à la présente rencontre, sans doute à la recherche de marchés pour leur ONG, en gonflant à souhait les chiffres des besoins humanitaires. Quant à nous et à nos partenaires réellement sincères et soucieux de la transparence, et nous en avons entendu un grand nombre tout à l'heure, nous sommes donc soucieux de la traçabilité, bref, de l'efficacité de l'aide humanitaire, et nous sommes venus dire à cette réunion sur ce point-là que le Cameroun est debout, têtu comme la vérité, visant l'émergence en 2035. Pays qui n'est pas au paradis, j'entends, mais pays qui n'est pas en enfer non plus, mais pays qui est bien sur la terre des hommes, cherchant patiemment et méthodiquement sa voie de développement endogène. En cette période charnière où les réalités et les survivances du XXe siècle s'imbriquent encore dans celles du XXIe siècle, s'affirme dans un contexte où les rivalités de puissance, d'intérêt et d'idéologie vont crescendo dans diverses parties du monde. Dans une Afrique qui se projette à l'horizon 2063 comme un continent prospère, libre, uni, paisible et acteur majeur dans les relations internationales. C'est à la lumière de toutes ces considérations et de leçons tirées de l'expérience dans de nombreux pays que nous abordons la question sous examen, qui requiert toute l'attention de notre gouvernement. Le Cameroun est un pays ouvert qui a successivement reçu ces derniers temps le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, une délégation du Commonwealth, le président de la Commission de l'Union africaine, une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie est attendue et le Parlement européen est invité. Un des distingués invités, à savoir le représentant spécial du secrétaire général pour l'Afrique centrale, n'a pas manqué de déclarer à la suite d'une de ses visites. Je cite, « Nous sommes venus rencontrer le Premier ministre, chef du gouvernement, pour faire avec lui le point de la situation au Cameroun. Monsieur le Premier ministre nous a fait le point des efforts déployés pour la stabilisation des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nous partons d'ici avec l'assurance que le gouvernement est à pied d'œuvre pour trouver des solutions idoines dans ces deux régions. » Fin de citation. La devise du Cameroun est « paix, travail, patrie ». For many years, it has been hosting a large number of refugees and displaced persons on its soil, due to the occasional, recurrent, or persistent conflicts in neighboring countries. Recently, the flow of displaced persons has increased as a result of the action of war and destabilization agents in three main fronts. One, the Boko Haram front, terrorism, aimed at installing a caliphate in the far north region. The front of the secession, animated by a group of separatists aiming to create in the northwest and southwest region
a so-called Federal Republic of Ambazonia, and the term from the Front of Salvation, aiming at challenging, destabilizing, and overthrowing the institution of the country, as well as the people who embody them. Such a situation has increased the demand for humanitarian assistance. He has sometimes been equivocal about the number of refugees and displaced persons. It should be emphasized that the government is working to register and control this flow, and thus have its position figures different from those usually available, and quoted. Political will, commitment, and accompanying measure. The government concerned at the highest level immediately mobilized itself and promptly set up, inter alia, an emergency humanitarian assistance plan of about 12 billion CFA, $23 million worth. It is worth mentioning that the spontaneous contribution of citizens, well-wishers, as well as the state budget, have made a substantial contribution to this plan, thus keeping momentum of national solidarity towards the affected population. One should recall that this plan covers all the region impacted by the flows of refugees and IDP, but specifically is centered to the northwest and southern region. Implementation and result of the emergency plan. To date, this plan, which targets early humanitarian response and the resilience of the affected communities, is being actively implemented in cooperation with the coordinator of the United Nations country team in the field. The Minister of Territorial Administration has recently formulated a platform for joint action for maximum efficiency, enhanced transparency, tracking, and security of humanitarian aid in the country. The various teams formed for this purpose under the coordination of the Minister of Territorial Administration and in the framework of the civil protection have made several field visits under the protection of the army in all the regions concerned, in particular 34 subdivisions in the northwest and 31 in the southwest. 150,000 families of internally displaced persons have been duly identified, and 75,000 have already received assistance. Thus, necessities about these 75,000 families, as mentioned above, have benefited from mattresses, blankets, foodstuffs, and toiletries, agriculture material, fertilizer, hose, shoes, machete, reconstruction of houses, construction material consisting of cement, timber, sheet steel, nails, educational, school material have been made available to families at the beginning of school year, and in order to ensure the continuity of schooling for displaced children, measures have been taken such as registration without birth certificate, exception of school fees. In this realm, an operation targeting 1,400 families is underway in Kumba and Manfe in the southwest region, as well as in Santa, Kambe, Mazija, and Witikum in the northwest region. To cover the needs of external displaced persons, large stocks of mattresses, blankets, and foodstuffs
are stored in several warehouses in Douala, Yaoundé, Bamenda, and Zamengwe. Way forward. The active continuation of the implementation of this emergency plan requires an appropriate solution to some of the difficulties encountered and additional support from various partners. In the number of difficulties in tackling the humanitarian situation, one can underline, one, the collection of accurate data on the ground. In fact, the administrative and traditional authorities are facing difficulties in the field of humanitarian assistance, particularly in the identification of internal displaced persons because they are concealed in the community or are sometimes reluctant to register with the administrative authority for fear of terrorist retaliation. Two, problems relating to operational resources. I want to indicate that additional resources are needed to enable civil protection management teams cover in a frequent and satisfactory manner all the areas where the displaced persons are located, such as the subdivision aforementioned. Furthermore, the budgetary estimate or assumption that have support the emergency plan must constantly be adjusted and updated in the light of variability prices of the various products needed for assistance to internally dispersed persons in the context of economic and financial security hazard. Cameroon sees this opportunity to thank all partners who have already contributed to the government emergency plan and call for increased support from bilateral and multilateral sources. Above all, one of the areas where we need assistance to tackle the root cause of the problem, we need more assistance and support in order to identify and block the sources of financing for terrorism, secessionism, subversion, and insurgency. On the other hand, so additional resources to speed up the eradication of poverty and the creation of well-being for all. The government of Cameroon is fully aware of the cause of this situation and reiterate the commitment and measures taken by President Paul Biya, as well as those recently adopted by Parliament to strengthen dialogue, accelerate the process of decentralization, and empower regions in a country where peace, stability, unity, territorial integrity in a confessional, linguistic, ethnic, cultural diversity and living together are constantly nurtured and strengthened. Cameroon leads a methodical fight against terrorism, secessionism, subversion, insurgency in strict compliance with the text, instrument, commitment, and law governing human rights. Je veux donner deux explications à certaines questions qui ont été soulevées. Accès des humanitaires aux populations déplacées ou aux réfugiés. Le Cameroun est ouvert en cela. Il veut tout simplement que les équipes qui se déplacent soient tout à fait encadrées, de peur de tomber ces équipes elles-mêmes aux mains des terroristes, comme quoi la communauté internationale va nous reprocher de n'avoir pas protégé les humanitaires. Et je vous ai dit que tout récemment, une plateforme de traçabilité, de contrôle a été établie avec le gouvernement et les Nations Unies. Ça, c'est pour l'accès. Il y a question de violence. J'ai entendu dans tous les exposés tout à l'heure les orateurs
parler de violence. Et certains même sont allés jusqu'à incriminer le gouvernement en disant que le gouvernement était de nature flexible et attaquait les populations. Je donne à un de mes collaborateurs, Madame Ambassadeur Chéri, ce document qu'il vous remette pour le Conseil. Et vous verrez les actes de violence de la part des Boko Haram et de la part de ceux qui nous provoquent du point de vue de la sécession. Également, je voudrais dire que tout à l'heure, lorsque les présentateurs ont fait leur sujet, à la porte, le sujet de cette réunion est Area Formula Meeting de Humanitarian Situation in Cameroon. On a parlé de crise et on a centré tout cela sur le sud-ouest et le nord-ouest. J'ai entendu de manière furtive allusion à d'autres régions, ce qui fait donc que le sujet n'était pas abordé comme tel. Et on comprend donc qu'on est venu chercher noise et chercher les poux sur la tête et les chics dans les pieds du Cameroun, ce qui n'est pas tout à fait approprié. Je voudrais conclure en disant aussi que nous avons une administration debout. Et je suis tout à fait encouragé par ceux qui ont dit que mieux vaut approcher le Cameroun, demander à son gouvernement, demander à tout ce qui est fait, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Je vous ai indiqué tout à l'heure, dans le plan de mise en œuvre de notre plan humanitaire, je vous ai indiqué ce par quoi nous voulons être aidés. Nous ne voulons pas des gens qui travaillent pour le Cameroun, mais nous voulons les gens qui travaillent avec le Cameroun. C'est très différent. Nous ne sommes pas par terre, nous sommes là, vivants. Et nous souhaitons que les gens travaillent avec nous pour mettre fin à ces termes. J'ai entendu aussi les cris de désespoir, qu'il y a non-fréquentation, qu'on ne se parle pas. J'invite les membres du Conseil à regarder la visite la semaine dernière du Premier ministre sur le terrain. Enthousiasme de la population. Le Premier ministre a mangé un dîner fort copieux chez M. Nifrundi, qui est une figure de l'opposition camerounaise bien connue, dont nous parlons, nous dialoguons. Et le Premier ministre a annoncé en même temps que les centres qui ont été ouverts, ceux qui ont déjà rejoint ces centres, ils seront reçus par le président. Le Premier ministre a annoncé d'ailleurs que ce n'est pas ce que vous voyez dans les centres qui sont ceux qui sont sortis de Brousse. Il y a beaucoup qui sont sortis et sont allés directement dans d'autres régions de nos pays et qui sont hébergés. Donc, il y a un grand nombre de gens qui se rallient et qui comprennent maintenant qu'ils ont été trompés. Je voudrais que le Conseil ait un œil tout à fait réaliste sur ce genre de situation. Nous dialoguons à tous les niveaux. Et le Premier ministre l'a encore prouvé dans le Nord et le Sud-Ouest en dialoguant tout azimut. J'en ai terminé, Madame l'Ambassadeur. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. J'ai été tout aussi passionné comme d'habitude parce qu'il s'agit de mon pays et parce que nous le connaissons mieux que quiconque. Et ce matin, le ministre des Relations extérieures a publié un communiqué que je vous ai envoyé à vous tous pour montrer que le Cameroun est gouverné. Nous faisons face à la sécession, nous faisons face au terrorisme, nous faisons face à l'insurrection, et nous y ferons face. Nous sommes des hommes dont les pieds reprennent vigueur en refrappant le sol dur. Je vous remercie. Thank you, Ambassador.